Oh, bienvenue à l'église de portail. Comment ça va? Ouais. Quelle matinée, quelle matinée. Euh, bienvenue à l'église de portail. Notre vision, c'est quoi? C'est de faire des disciples. Ce que notre but à l'église de portail, en fait notre mission, c'est de faire découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec Jésus. Notre vision, ce pourquoi on travaille, on prie présentement, c'est on aimerait voir 17 000 disciples. Ça veut dire, on aimerait implanter... 10 églises et on veut former 10 000 personnes qui déclarent suivre Jésus. Et notre plan, c'est quoi? C'est concrètement, parce qu'un vœu sans plan ne demeure qu'un souhait, donc notre plan, c'est de t'encourager, c'est d'encourager tout le monde à passer au travers les huit étapes, c'est-à-dire à expérimenter les huit dimensions, les huit actions, les huit éléments du style de vie du disciple de Jésus. Et ces huit éléments... Ils sont faciles à retenir. On, on les retient au travers de cet acrostiche de disciples. C'est quoi un disciple de Jésus fait huit choses. Premièrement, il décide de suivre Jésus. Deuxièmement, il s'immerge. Le disciple de Jésus se fait baptiser. Donc, littéralement baptiser, c'est s'immerger pour Jésus. Il sert son Église, son monde, sa communauté. Il connecte. Le disciple de Jésus connecte avec d'autres croyants. Le disciple de Jésus invite son entourage à suivre Jésus. Le disciple de Jésus, il prie. Il lit, il s'engage envers son Église locale. Est-ce que je peux entendre Amen? Maintenant, à travers cette série au ce qu'on fait, c'est deux choses. Premièrement, je veux te défier, t'encourager, t'enseigner à devenir un meilleur disciple de Jésus au travers ces huit éléments. Et à chaque semaine, deuxièmement, on veut présenter des initiatives d'Église. On a commencé la semaine dernière avec Décide de suivre Jésus. Euh, merci à tous ceux et celles qui ont pris la décision de suivre Jésus. Nous avons un nouveau kiosque où, lorsque tu prends cette décision pour la première fois, ça nous fait plaisir de te remettre un petit quelque chose qui n'est. Ah, oui, petit quelque chose. Un petit kit pour commencer à suivre Jésus. Donc, simplement un, un petit parfait qui va t'expliquer clairement ce que Jésus a fait pour toi. Deuxièmement, on te donne un nouveau testament, donc pour que tu comprennes, que tu lises la bonne nouvelle de Jésus. On donne troisièmement un petit commentaire dévotionnel, c'est-à-dire pour t'aider à lire la Bible. Donc, comment commencer à lire la Bible et une petite pochette avec euh, toutes les ressources de l'Église, comment est-ce qu'on peut mieux te servir. Ce matin, on veut s'attarder au deuxième élément de la vie du disciple de Jésus. Et le disciple de Jésus se fait baptiser pour Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Maintenant, on va parler un petit peu du baptême, mais ce matin, c'est tellement important qu'on va faire quelque chose de spécial. Après que j'ai expliqué brièvement c'est quoi le baptême, on va procéder à des baptêmes spontanés. C'est exceptionnel. Habituellement, la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on planifie une date, les gens s'inscrivent, on fait une formation, on explique, on se prépare. Maintenant, ce matin, rien de ça, c'est exceptionnel. Après le message, tous ceux et celles dans ce lieu qui déclarent suivre Jésus, qui ne sont pas baptisés, qui veulent le faire, on va te donner l'occasion de le faire sur le spot, comme on dit en hébreu. Donc, on est vraiment, vraiment excité. Euh, et pourquoi on le fait Pour quatre raisons. Premièrement, parce que c'est biblique. C'est biblique. On voit dans les actes des apôtres, les gens annonçaient la bonne nouvelle de Jésus. Quand quelqu'un disait, moi, je suis Jésus, ok, fais-toi baptiser. C'est biblique. Euh, deuxièmement, on le fait. C'est tellement important dans la formation de disciples et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui déclarent suivre Jésus qui ne sont pas baptisés. On veut faire une grande mise à jour, on veut donner une opportunité différente. Troisièmement, on veut démontrer que le baptême est quelque chose d'accessible. Tu n'as pas besoin de suivre une formation de 12 semaines avec un cours en théologie, puis le détecteur de mensonges pour savoir si tu es vraiment chrétien. On pense que c'est accessible. Tu peux le faire sur le champ. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est simplement l'engagement de quelqu'un qui dit, moi, je veux suivre Jésus. Et on le fait parce qu'on veut démontrer que c'est incontournable. Dans notre culture, le baptême, pour plusieurs chrétiens, c'est rendu quelque chose d'optionnel et on veut démontrer, on veut faire c'est un statement, on veut dire que c'est vraiment quelque chose, une déclaration, c'est quelque chose de fondamental, puis on veut donner l'occasion de l'expérimenter. Si vous êtes toujours là, dites amène. amen. OK, cela étant dit, allez avec moi dans l'Évangile de Matthieu, troisième chapitre, avant de procéder au baptême, on va regarder de quoi il s'agit. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez suivre sur les écrans. Euh, encore une fois, on est là pour vous. Ça va nous faire plaisir de vous en remettre une à la fin de la réunion si vous en voulez une. Donc Matthieu 3, on va regarder aux disciples de Jésus qui se fait baptiser pour Jésus. Je commence la lecture au verset 1. En ces jours-là, parut Jean-Baptiste. Il proclamait dans le désert de Judée « Repentez-vous, car le règne des cieux s'est approché. » Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, se rendaient auprès de lui et recevait de lui le baptême dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leur péché. Verset 13. Alors Jésus arrive de Galilée au Jourdain vers Jean pour recevoir de lui le baptême. Mais Jean s'y opposait en disant, C'est moi qui ai besoin de recevoir de toi le baptême, puis c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, Laisse faire maintenant, car il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice. Alors il le laisse à faire. Du conseil pastoral, laisse faire Jésus. Il le laisse à faire. Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau. Alors, les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Une voix retentit des cieux. Et cette voix disait Celui-ci, Jésus, est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. Brièvement ce matin, cinq raisons pour, laquelle, pour lesquelles le disciple de Jésus se fait baptiser. Premièrement, le disciple de Jésus se fait baptiser pour suivre l'exemple de Jésus. Si Jésus le fait, je pense que c'est une bonne chose de le faire. C'est d'accord, Amen. Maintenant, dans la Bible, quand Jésus arrive, il y a déjà Jean-Baptiste. Puis vous savez pourquoi on l'appelait Jean-Baptiste? Parce que Jean baptisait. Vous voyez que j'étais à l'école longtemps. Donc, Jean-Baptiste baptisait, Dieu lui avait mis à cœur, Dieu le dirigé de faire ce qu'on appelle le baptême de repentance. Les gens venaient, premièrement, c'est une reconnaissance, lorsque les gens se faisaient baptiser avec sous Jean-Baptiste, une reconnaissance de leur état, de leur péché. Mais en même temps, c'est la repentance. Vous savez, la repentance, c'est un concept vraiment important dans la Bible. Littéralement, c'est un changement radical. C'est non seulement des gens qui disent, moi, mais je suis pécheur, c'est comme ça, je ne peux rien changer. C'est des gens qui disent, Seigneur, j'ai besoin de toi, je dois changer, j'ai besoin de ta grâce. Et le baptême, c'est la repentance. C'est non seulement que tu reconnectes tes pécheurs, mais c'est que tu dis, Seigneur, j'ai besoin de changer. Le problème, c'est que je ne suis pas capable par moi-même. Mais le baptême, c'est une déclaration j'ai besoin, je dois changer. Tu ne peux pas rester le même avant et après le baptême. Tu dois changer, tu ne peux pas rester le même avant et après Jésus. Vous savez, au 15e siècle, il y a un homme qui est très connu de l'histoire qu'on appelle Ivan le Grand, qui établit un empire russe incroyable. Et Ivan, à un moment donné, euh, a voulu se marier. Et ses conseillers lui ont dit Tu dois te marier, puis il faut qu'on trouve une femme. Et on a trouvé la meilleure femme pour toi. C'était la fille du roi de Grèce. Maintenant, Ivan est parti avec 500 de ses soldats et s'est rendu en Grèce pour le mariage. Mais avant le mariage, le roi a dit Mais nous, en Grèce, nous sommes de foi chrétienne orthodoxe, et c'est impossible de donner ma fille à quelqu'un qui n'a pas été baptisé. Donc, on lui a donné une petite formation et on a décidé de les baptiser. Donc, imaginez de faire un baptême collectif où dans la Méditerranée, il y avait 500 soldats avec toutes leurs leur armure et tous les prêtres orthodoxes habillés en noir pour baptiser 500 personnes d'un seul coup. Mais le problème, le jour du baptême, on s'est dit, quelqu'un a dit il euh, un problème, c'est que nous, dans notre foi, on ne peut pas baptiser des soldats de carrière. Là, Yvan a dit mais là, ça ne marche pas parce que moi, j'ai un empire et j'ai besoin de soldats, donc je ne peux pas, mes hommes ne peuvent pas cesser d'être des soldats. Et de l'autre côté, les gens disaient oui, mais. Si tu veux marier ma fille, si tu veux marier la fille du roi de Grèce, si tu, il faut que tu fasses baptiser. Puis si tu es un soldat, tu ne peux pas être baptisé. Et là, les théologiens ils ont trouvé une twist. Voici ce qu'on va faire. Lorsque vous allez vous faire baptiser, les soldats, vous allez sortir votre épée, vous allez sortir le bras de l'eau. On va vous baptiser, mais sauf le bras qui tient l'épée. Le baptême, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas dire, Jésus, je me fais baptiser, je veux te suivre, mais il y a des domaines de ma vie que je t'empêche de changer. Jésus veut tout toucher dans ta vie parce que tout a toujours rapport avec Jésus. Parce que si Jésus, je le dis souvent, n'est pas seigneur de tout dans ta vie, il n'est pas seigneur du tout dans ta vie. Et là, Jean baptiste, lorsque Jésus arrive, il voit Jésus puis il dit: Non, 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 je ne peux pas te baptiser. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus est le Fils de Dieu. Il a eu une vie de parfaite obéissance. Il est sans péché. Donc, Jésus ne peut pas se repentir du péché. Donc, il vient Jean-Baptiste dit: non, 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 je ne peux pas te baptiser. Ça n'a pas d'allure. En bon québécois. Je ne peux pas. Vous savez, Jean-Baptiste se sent un peu comme ce lifeguard, ce sauveteur aux Jeux Olympiques. La prochaine fois que tu te sentiras inutile, pense à celui qui est sauveteur à la natation aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'on s'entend que dans l'épreuve, c'est le sauveteur qui nage le moins bien? Ta job, c'est d'être là parce que c'est la loi, il faut qu'un sauveteur, tu es là, mais tout le monde dans la piscine, c'est des champions, des championnes olympiques. Avouez que tu te sens inutile comme job. Et Jean-Baptiste se sent inutile. Alors qu'il annonce le salut, il voit le Sauveur. Il voit quelqu'un dans l'eau qui est meilleur que lui, qui est supérieur à lui. Il voit quelqu'un qui est sans péché. Puis il dit, non, non, je ne peux pas te baptiser. Mais Jésus va dire, laisse-moi faire. Fais-le. Il convient que nous puissions accomplir toute justice. Wow. Pourquoi? La justice dans la Bible est un terme vraiment, vraiment important. Et Jésus, bien qu'il soit le sauveur, il peut te sauver parce qu'il s'identifie avec le pécheur. Et le meilleur exemple de justification que j'ai entendu, qui exprime, qui illustre ce que Jésus a fait pour toi, et si vous venez au portail, vous m'avez déjà entendu le raconter, mais faites comme si c'était la première fois que vous l'entendez ce matin. C'est lorsque la Guardia, durant la, la, la grande, le maire, de la Guardia, durant la Grande Dépression, et là, il est juge, il est maire, en fait, puis le maire peut occuper différentes fonctions dans la ville, et un soir décide d'aller siéger à la cour pour expédier des petits dossiers. Donc, il met la toche de juge, il est là, et on amène devant lui un homme qui est, qui est coupable parce que cet homme-là a été pris en flagrant délit de vol de pain. Cet homme-là a volé un pain. Donc, c'est la Grande Dépression, c'est la famine. La guardia pose la question à cet homme. Vous avez été reconnu, vous avez été pris en flagrant délit, vous êtes coupable. Donc, comment vous pouvez justifier votre crime? Et l'homme dit, mes enfants n'ont rien à manger, donc j'ai dû voler du pain pour nourrir mes enfants. Et la guardia lui dit, je n'ai d'autre choix en tant que juge de vous condamner, je vous condamne à 10 dollars, une peine, une amende de 10 dollars. Maintenant, imaginez-vous à l'époque, 1929, dans ce coin-là. Euh, 10 dollars, c'est énorme. Cet homme là s'effondre. Comment je vais être capable de payer J'ai volé, j'ai même pas 5 sous pour acheter un pain, puis là on me condamne à 10 dollars. L'histoire nous dit que la guardia s'est a enlevé sa toge et il a dit à cet homme en tant que juge, je dois vous condamner, mais en tant qu'ami, je vais payer à votre place. Et non seulement, il a repris sa toge, il a dit à tout le monde, je vais faire quelque chose, je vais prélever une taxe exceptionnelle sur chaque personne dans ce lieu. Parce qu'on vit dans une ville où un père de famille honnête doit voler pour nourrir ses enfants, je charge une taxe à tout le monde qui tire de 50 sous. On a ramassé ça, on l'a donné. L'homme est rentré comme un coupable, il est sorti justifié, mais non seulement justifié, quelqu'un payé à sa place, mais il est sorti avec 47,50$ dans ses poches. Ça, c'est la grâce de Dieu, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Il te pardonne, il paye à ta place, il te bénit tellement plus que ce que tu mérites. Pour ça, Jésus dit, il faut accomplir toute justice. Et le ministère de Jésus commence par le baptême. Et c'est pour ça que Jésus va demander la première chose. Il va dire à ses disciples, la première chose que vous allez faire quand quelqu'un va dire, croire en moi, vous allez le baptiser. Jésus va un peu s'approprier le baptême de Jean. Il va le transformer. Vous savez, OK, quels sont ceux, vous avez des enfants. OK, quels sont ceux, lorsque vos enfants viennent vous voir pour vous emprunter quelque chose. Vous êtes très réticents. Parce que moi là, quand mes enfants m'ont dit « Papa, est-ce que je peux emprunter tes écouteurs d'iPhone ?», tu dis « Oui, une fois », tu les revois jamais. Mon fils est fier parce que maintenant il porte des... comme moi il porte des onces, que lui me dit « Papa, est-ce que tu me prêtes tes goguenes ?» J'ai dit « Oui, une fois, une fois ». Un moment donné, je cherchais mes je cherchais. Non, ils sont à lui maintenant. Je vous le dis, c'est un. C'est un irritant parce qu'à chaque fois, là, si les gens ne me connaissent pas, j'ai l'air du père égoïste, mais je sais que si je dis oui, ils vont s'approprier ce qui m'appartient. Jésus s'approprie le baptême de Jean. Alors que Jean présentait le problème, le péché de l'homme, Jésus dit, je me l'approprie. Et maintenant, le baptême n'est pas une déclaration du problème de l'homme, c'est une déclaration que vous avez trouvé la solution, je suis votre sauveur. Et c'est pourquoi Jésus demande à tout le monde de se faire baptiser. Maintenant, c'est la première des choses. La deuxième chose, ce n'est pas tout de suivre l'exemple de Jésus. On ne le fait pas seulement pour ça. Le disciple de Jésus se fait baptiser pour s'identifier à l'œuvre de Jésus. Le mot « baptême » vient du grec « baptizo ». Et pour nos amis qui nous visitent, peut-être que vous ne le savez pas, mais on a une piscine ici. Et ce n'est pas le spa des pasteurs. Alors on n'est pas fancy au portail où nous avons notre petit spa, alors que je fais mes études bibliques, je suis dans le spa avec Pasteur Denis, non. C'est un baptistère. Pourquoi une petite piscine? Pourquoi un baptistère? Parce que baptiso dans la Bible veut dire littéralement plonger, immerger. Et ce qui est intéressant, le mot veut dire plus que ça encore. Vous savez, on a retrouvé des recettes de l'époque de Jésus. Puis un homme qui, lui, justement, dans sa recette, alors qu'il. Un peu comme le Ricardo de l'Antiquité, euh, veut, veut, veut démontrer, veut expliquer comment faire des, 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 euh, des légumes marinés. Donc, il dit premièrement, vous allez prendre les tomates, vous allez les plonger dans l'eau bouillante. Mais le mot qu'il emploie, c'est bateau, c'est pas batizo. Et l'autre étape, il va dire vous allez prendre les tomates et les piments et vous allez les mettre, vous allez les plonger dans le vinaigre pour les faire mariner. Le mot pour mariner, c'est baptisaux. Pourquoi? Parce que le baptême, ce n'est pas seulement suivre l'exemple de Jésus, c'est que tu marines dans l'œuvre de Jésus et tu t'appropries, tu t'accapares la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est quelque chose de très puissant, c'est ce que l'apôtre Paul va dire dans Romains 6 d'ailleurs. L'apôtre Paul va dire que le baptême, c'est on s'identifie à l'œuvre de Jésus. Regardez, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Quand tu vas sous l'eau, tu t'identifies avec la mort de Jésus. Quand on te ramène, gloire à Dieu qu'on va te ramener, tu reviens à la vie. C'est exactement la même chose. Quand Jésus est entré dans ma vie, c'est comme. J'étais mort dans mes péchés, je suis revenu à la vie, j'ai commencé à expérimenter une vie nouvelle. Tu sais, des gens qui ont déjà expérimenté cette vie nouvelle disent amen. Pour la première fois de ma vie, je respire vraiment. C'est ce que Paul est en train de dire. Le baptême, c'est qu'on s'identifie. Maintenant, permettez-moi de vous donner un petit témoignage. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à être un disciple de Jésus et à un moment donné, quelqu'un me dit, après quelques semaines, Gaëtan, est-ce que tu es baptisé? Je dis « Ben oui, je suis baptisé. »« Ah, t'étais baptisé quand? »« étais baptisé quand j'étais bébé. » Là, la personne, elle me dit « Oui, mais tu sais, dans la Bible, ça dit que c'est une décision consciente, volontaire. T'as-tu décidé de suivre Jésus? » Je dis « Oui, oui, oui. Ben, »« Jésus te demande de te faire baptiser. » J'étais fâché. J'étais fâché. Ça venait me titiller. Pourquoi? Parce que moi, je disais, moi, là, je suis un Québécois, catholique, francophone. « Là, là, tu me dis que je ne suis pas baptisé. Moi, j'ai été baptisé quand j'étais petit. J'ai fait ma confirmation. » Et j'étais frustré parce que c'est comme si on me disait quelque part que ma tradition avait quelque chose qui fallait que je me fasse baptiser. Et à un moment donné, le déclic est venu lorsque j'ai réalisé que je m'identifiais plus à une tradition religieuse qu'à Jésus-Christ. Le baptême, ce n'est pas une compétition entre églises. Le baptême, quand tu te fais baptiser, c'est que tu t'identifies à Jésus-Christ. Donc, si, es, si tu dis, moi j'ai été baptisé quand j'étais tout petit, tu es disciple de Jésus maintenant, Jésus t'appelle à te faire baptiser, c'est une décision personnelle. Puis il y a des gens ici, tu as déjà été baptisé dans toutes sortes de milieux et peut-être que ce matin, tu devrais te refaire baptiser. Par exemple, si tu étais baptisé dans une secte, tu étais baptisé dans un mouvement, où le baptême n'est pas une identification claire et directe à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, n'est pas une déclaration que tu as reçu la bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ. Par exemple, tu étais baptisé témoin de Jéhovah, baptisé mormon, baptisé peut-être dans un, 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 un mouvement chrétien légaliste où tu étais coupé de la vie de Jésus. Je pense que tu étais appelé à te refaire baptiser. Parce que le baptême est une identification à Jésus-Christ. Et je vais même aller plus loin. Peut-être que tu étais baptisé dans une église évangélique. Et là, il y a des gens qui disent oh, Mais Pasteur Gaétan, est-ce que je peux. Parce que c'est tellement le fun le baptême, je suis-tu me faire baptiser à nouveau? Non, 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 c'est pas ça que je dis. Si tu étais baptisé quand tu étais jeune sous pression de tes parents, le monde dit non, non, ça n'existe pas dans les églises évangéliques, ça. Si tu peux dire, écoute-moi bien, si tu peux dire que l'heure de ton baptême, à 100% tu n'étais pas né de nouveau à 100 Tu ne comprenais pas la bonne nouvelle du salut par grâce de Jésus-Christ. Si tu dis moi après mon baptême, c'est une déclaration de quelque chose que je ne vivais pas du tout. Tu peux le dire à 100 Je pense que Dieu t'appelle à te faire baptiser au nom de Jésus. Faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Te faire baptiser véritablement pour t'identifier. À la vie de Jésus. Maintenant, comprenez-moi bien, il y a des gens ici, tu dis, moi, je me suis fait baptiser, mais je suis retourné dans le monde, ma vie est tout croche, j'ai vécu comme un païen, là, je prends les gros mots, puis là, je reviens à Jésus. Est-ce que je dois me refaire baptiser? Non, ton baptême comptait. Ce que je dis, c'est que si, le, ben, il y a une différence dans la Bible entre la justification et la sanctification, entre justement, notre, lorsque tu mets ta foi en Jésus et ta vie, peut-être que tu étais un très, très, très mauvais chrétien, mais ton baptême compte. Je dis seulement que si quelqu'un, tu peux dire à 100% que le baptême que tu as reçu n'était pas le baptême qui t'identifiait à l'œuvre de Jésus-Christ, c'est toi qui étais appelé à te faire baptiser à nouveau. Maintenant, ce qu'on fait au portail, on baptise qui? Tu dis, moi, je dis pour la première fois ce que je peux me faire baptiser. Si tu crois et tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, oui, tu peux te faire baptiser. On baptise, si tu dis, moi, je suis un jeune, je vais me faire baptiser, on baptise. tu as 13 ans et plus, ce matin, ça va nous faire plaisir de te baptiser. Comprenez-moi bien. Des gens qui disent Oui, mais moi, là, j'ai 8 ans, puis j'aimerais ça me faire baptiser. Puis, moi, je crois qu'un enfant peut naître de nouveau très jeune. Je pense que le Saint-Esprit peut être dans la vie d'un enfant avant 13 ans. Je pense qu'un enfant peut suivre Jésus. Donc, pourquoi attendre pour le baptême? Simplement, c'est qu'à un moment donné, c'est difficile à juger. 13 ans, tu dis, ben OK. On va à 10 ans, on va à 7 ans, on va à 5 ans, on va à 4 ans. Mais à un moment donné, ça prend un plancher. Vous savez, Jésus a dit que l'Église a le pouvoir de lier, de délier, c'est-à-dire, Jésus demande à toutes les Églises, à son Église de baptiser, mais chaque Église locale est responsable de fixer les règles. Donc, nous, au portail, on trouve sage de fixer 13 ans et plus. Et si vous êtes mineur, on vous demanderait tout à l'heure, puis tu veux te faire baptiser, viens avec tes parents. Pourquoi? Je vous ai mentionné que ma fille était à Victoria, puis il y avait une règle à Victoria. L'organisation là-bas a dit On doit, nous, notre responsabilité, c'est de vous ramener à vos parents tels qu'ils vous ont envoyés. Donc, ils ont dit aux jeunes Pas le droit de se faire tatouer, vous n'avez pas le droit de pursing, vous n'avez pas le droit de tomber enceinte, vous n'avez pas le droit de vous convertir à une autre religion, vous n'avez pas le droit de mourir. OK, ces cinq éléments-là, vous devez revenir tel quel à vos parents. Tu as 15 ans, tu es invité, tu viens à l'Église, tes parents te donnent l'autorisation, tu es là. On veut, pas, on veut respecter la confiance que les parents nous donnent. Donc, on te demande, peut-être que tu dis, oui, mais moi, là, mes parents sont non chrétiens. puis OK, mais lors du prochain baptême planifié, tu auras le temps de te parler avec tes parents, de préparer tes parents, de mettre tes parents dans le coup. mais on ne veut pas faire quelque chose de est mineur contre la volonté de tes parents. Donc, cela étant dit, le disciple de Jésus se fait baptiser pour s'identifier à l'œuvre de Jésus. Troisièmement, le disciple de Jésus se fait baptiser pour déclarer publiquement sa foi en Jésus. Écoute-moi bien. Le baptême est une déclaration publique. Le baptême ne lave pas, ne pardonne pas, ne purifie pas, ne sauve pas, ne bénit pas. Vous n'êtes pas obligé de dire Amen. Le baptême ne fait rien de ça. Il y a des gens qui pensent que je vais me faire baptiser et que ça va aller mieux après. Non. Hier, j'ai lavé les nouveaux vitres à la maison. À un moment donné, il y avait une tâche, elle ne voulait pas partir. Finalement, je me suis rendu compte que le problème, c'était que la tâche est à l'intérieur. Pourquoi le baptême ne lave pas? Parce que la tâche, elle est à l'intérieur. Le péché est à l'intérieur. C'est l'Esprit de Dieu qui purifie, qui nettoie, qui sanctifie, qui libère. Le baptême est une démonstration extérieure de quelque chose qui a déjà pris place à l'intérieur. C'est quoi ça? C'est un jonc. Est-ce que ce jonc est mon mariage? C'est quoi? C'est une déclaration publique que je suis marié. Si j'enlève mon jonc, est-ce que je suis encore marié? Ça ne change rien. Le jonc est simplement une déclaration publique qui est un rappel aux gens autour de moi, est un rappel à moi-même que je suis marié. Si j'arrive au Quelque part, je vois une jolie jeune fille, je commence à, à, à parler avec elle. Puis là, à un moment donné, je, je, peut-être que je franchis une ligne, puis là, je vois, oh, OK, j'ai un petit rappel. Et peut-être que quelque part, il y a une, une jeune madame qui aime les messieurs avec des barbes grisonnantes. C'est un rappel, rappel public. Le baptême est un rappel public, mais le baptême ne va pas créer ton alliance avec Jésus, ne va pas te sauver. C'est comme ton jonc, c'est quelque chose de public qui atteste de quelque chose à l'intérieur. Cela étant dit, c'est une déclaration, mais elle est publique. Une sœur qui est venue me voir la semaine dernière et qui me dit Pasteur Guétin, moi, là, j'aimerais me faire baptiser dimanche prochain. En fait, j'aimerais me faire baptiser cette semaine, mais dimanche, je, je pars en voyage. Donc, je ne peux pas être là. Est-ce que tu peux me baptiser cette semaine Je lui dis Non, je ne peux pas aller vous baptiser dans votre spa. Je pourrais techniquement, le, le problème, ce n'est pas le spa, c'est un peu comme un mariage, tu as besoin de témoins. Le baptême est une déclaration publique. Dans une société individualiste, on a souvent l'impression que c'est juste toi et Jésus, mais justement, le baptême, c'est une déclaration publique. Je crois en Jésus, je me mouille pour Jésus, je m'identifie à Jésus. Et la meilleure place pour le faire, c'est devant ton église locale. Cela étant dit, peut-être que tu as vu sur Facebook qu'il y avait des baptêmes spontanés au portail ce matin. Tu marches dans une autre église locale, tu t'es venu, la meilleure place pour te faire baptiser, c'est dans ton église locale. On fait des baptêmes spontanés ce matin, mais on ne veut pas devenir le Costco des baptêmes. Nous faisons des baptêmes en gros. La meilleure place, c'est une déclaration publique devant ton église locale. Si tu marches dans une autre église, Fais-toi baptiser dans ton autre église. Tu fréquentes une autre église, tu es membre d'une autre église, fais-toi baptiser là-bas. C'est là ta place, c'est là que tu dois le faire. Ne les prive pas de cette bénédiction. Et ne te prive pas de cette bénédiction. C'est important une église locale. Donc, si tu es ici ce matin, tu dis « Moi, je n'ai pas d'église locale. » Bienvenue à l'église de Portail. C'est pourquoi c'est vraiment important de comprendre c'est quoi le baptême. Si vous êtes toujours là, dites « Amen ». Ok, j'ai presque terminé. Le disciple de Jésus, non seulement on se fait baptiser pour suivre l'exemple de Jésus, deuxièmement pour s'identifier à Jésus, troisièmement pour déclarer publiquement notre foi en Jésus, quatrièmement, le disciple de Jésus se fait baptiser pour illustrer qu'il n'est plus submergé par le péché et la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le baptême, lorsque tu vas être sous l'eau, c'est le symbole de quelqu'un qui est mort. Maintenant, tu ne peux pas Ajouter Jésus à ta vie sans vouloir soustraire le péché de ta vie. Je vais le répéter. Tu ne peux pas vouloir ajouter Jésus à ta vie sans désirer soustraire le péché de ta vie. C'est deux choses, le baptême. Premièrement, c'est une déclaration de j'ai tellement mon ancienne vie sans Jésus, c'est fini. Ma vie a changé. Et lorsque tu vas être sous l'eau, ça va durer à peu près une seconde et demie. Mais cette seconde ennemie-là illustre des années de souffrance, de péché, de douleur, du passé, d'offense que tu laisses derrière toi au nom de Jésus. Donc, lorsque tu vas aller dans l'eau, tu ressors, il y a des affaires que tu laisses dans le fond. Si on avait l'occasion de voir spirituellement, là, on verrait un paquet d'affaires dégueulasses dans le fond de cette piscine. Pourquoi? Parce qu'on laisse notre vieille chair, on laisse le vieil homme, on laisse le passé. Si tu déclares, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. Donc tu déclares, je ne suis plus submergé par le péché, je ne suis plus submergé par la mort. Et cinquièmement, c'est une déclaration que j'émerge à une vie nouvelle où désormais, tout a toujours rapport avec Jésus. Et c'est pour ça qu'on va te donner un t-shirt. Donc, évidemment, lorsqu'on planifie nos baptêmes, on peut inscrire ton nom. Maintenant, là, ton nom ne sera pas là, tu pourras l'inscrire plus tard. Mais c'est important. Parenthèse. Ne te fais pas baptiser juste pour avoir un T-shirt. Les gens disent ben Voyons donc, pasteur Gaétan. Non, 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 pasteur Gaétan, il y a de l'expérience. Ne te fais pas baptiser juste pour avoir un T-shirt. Comme j'ai déjà dit, se faire baptiser pour avoir ce T-shirt, c'est comme acheter un avion pour avoir des pinottes gratuites. Ça ne vaut pas la peine parce que Jésus va être sérieux. Donc, c'est important de réaliser qu'on émerge à une vie nouvelle où tout dans ta vie, puis je me répète, pourquoi toi a toujours rapport avec Jésus? Parce que si Jésus n'est pas seigneur du tout, il n'est il est pas seigneur il est Seigneur de rien du tout. Donc, il doit être seigneur de tout. Et je termine avec ceci. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Hashem Ashmat, qui est un nageur paralympique sud-africain. Cet homme-là, on a une image. Cet homme-là, il, il lui manque une jambe et euh, a remporté des médailles olympiques. Et on lui a demandé C'est quoi ton truc pour nager rapidement? Puis lui, il a dit Moi, mon truc, c'est que lorsque je nage, je pense que derrière moi, il y a un grand requin blanc et, et, et ça, me, ça me force à me surpasser. OK. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte que les requins ont une place assez spécial dans sa vie. Comment est-ce qu'il a perdu sa jambe Il y a à peu près une dizaine d'années, on lui a demandé de participer. On avait besoin de bons nageurs. Il avait sa jambe, il avait ses deux jambes, ses deux bras. Puis on avait besoin de bons nageurs parce que dans la mer, on voulait faire des, une simulation de sauvetage. Donc, on a pris des gens dont il y avait lui et son frère. On les a mis au large. Puis on a dit l'idée, c'est qu'on va venir vous chercher en bateau pour vous simuler si des gens, euh, un bateau a échoué, puis il y a des gens en mer, donc comment vous rescaper. Puis, et pendant que le bateau s'en venait, il était avec son frère était en train de nager, attend les secours et voit quelque chose apparaître, quelque chose d apparaître de blanc. Il pense que c'est un dauphin, mais ça semble plus gros. Donc décide de se submerger, regarde et se rend compte que c'est un énorme requin blanc. Et là commence à faire du bruit pour éloigner le requin. Mais le requin vient vers lui, il dit à son frère, nage, nage, nage. Le requin vient vers lui finalement, essaie de l'attaquer, embarque sur le requin. Mais pour se rendre compte que sa jambe est dans la gueule du requin. Le requin lui a arraché la jambe. Évidemment, les secours, ce qui devait être une simulation, est devenu un cas réel. On l'a sorti de là. Et cet homme-là, quand même, c'est un athlète, donc a décidé de continuer. Et c'est comme ça qu'il est arrivé aux Jeux paralympiques, donc les Jeux pour, pour handicapés, il est arrivé, il lui manque une jambe. Tout on lui dit, lorsque je pense qu'un requin, pour lui, c'est très, très réel, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les Jeux de Rio étaient ses derniers Jeux olympiques. Cet homme-là a en même temps une formation d'avocat. Et il a un mandat de l'ONU. Lui, là, le but de sa vie, à partir de maintenant, vous savez c'est quoi? C'est de protéger les requins blancs qui sont en voie d'extinction. Il y a une surpage de requins blancs, et lui. Avec sa formation en droit, se promène partout à travers le monde pour conscientiser les gens afin de protéger les requins blancs. Wow, quelle ironie! Le requin qui lui a arraché la jambe, il voue sa vie à le sauver. Cet homme-là est un héros, mais le plus grand héros de l'histoire de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Alors que par nos péchés, par nos manquements, par notre désobéissance, c'est ça qui a amené Jésus à la croix. Jésus est mort à cause de nous, mais Jésus passe l'éternité passe la vie en fait. Il fait quoi Il veut sauver ceux qui l'ont agressé. Ça c'est toi puis moi. Il passe sa vie à sauver. Il continue encore une fois de sauver des pécheurs alors que lui a été crucifié, alors que lui a souffert par ton péché. Il veut maintenant te sauver de ton péché. Waouh Et cet homme-là qui dans sa vie on pourrait dire Rare, tout a toujours rapport avec les requins. Moi, je me dis, quand on réalise ce que Jésus a fait pour nous, la seule chose qu'on peut dire, c'est que tout a toujours rapport avec Jésus dans ma vie. Et c'est ça le baptême. C'est ça le baptême. Donc ce matin, le disciple de Jésus se fait baptiser pour Jésus. C'est quoi les conditions? Il n'y a pas de grandes conditions, mais elles sont quand même importantes. Premièrement, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur et le Seigneur de l'humanité? Deuxièmement, est-ce que tu comprends ce que fait Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sur cette terre, qui a mené une vie de parfaite obéissance? Et ça, ça, ça lui a donné la capacité de mourir pour les péchés de toute l'humanité, lui qui était sans péché. Et le fait qu'il était sans péché, et qu'il pouvait expier, pardonner, te libérer du péché, te réconcilier avec Dieu et te donner l'assurance de la vie éternelle. C'est démontré par le fait que la mort n'a pu le retenir. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, il a le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun autre nom qui pardonne, qui libère et qui sauve. Donc, si tu crois ça, tu peux te faire baptiser. Et ce matin, c'est quelqu'un qui dit non seulement je crois, mais je veux suivre Jésus. Je veux suivre Jésus. Tu réalises également, troisièmement, que le salut, c'est-à-dire que tout ce que Jésus a accompli pour toi, il veut te le donner. Non, parce que tu le mérites, non pas parce que tu le gagnes, non pas parce que tu as travaillé pour, non pas parce que tu es une bonne personne, non pas parce que tu es à l'Église, non pas parce que tu t'es baptisé. Tout ça, tu le reçois par grâce. C'est un cadeau gratuit. Tu réalises que tu ne mérites rien et que dans sa grâce, il veut tout te donner. Et c'est pour ça qu'on parle de la bonne nouvelle de Jésus.